sens du soulagement quand même. Sinon, il va pas continuer avec ses costumes, là, ses défilés. Je remercie, j'en profite quand même, le magasin Giorgio Armani de Louvre Rivoli qui ne m'a jamais rappelé concernant le prêt d'un costume. Je remercie donc Assos d'avoir livré tout ça à temps. Pour remettre les trophées des interprètes de l'année. Ouh! Mais si vous le sentez, vous pouvez commenter, hein. Vraiment, il y a toute la liberté que vous voulez. Si vous voulez, on le refait. Si vous le sentez, exprimez-le. Ouh! Pour remettre les trophées des interprètes de l'année. Ah, vous l'attendez celui-là, hein, j'ai senti. Les deux gagnantes ex aequo 2018, celles qui me font l'effet du bicarbonate et de la soude, de l'aloe et du vera, des clous et de la girofle. Je vous laisse évidemment choisir qui est qui. Delphine Gransard et Alizée Lalande. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir. Ça va? Écoutez, c'est incroyable parce qu'avec ce prix qu'on a eu l'année dernière, toutes les deux, Alizée, on est devenues très complices. On a trouvé ça tellement beau de récompenser des artistes pour deux spectacles si différents. Eh ouais, hein, Grease, comédie musicale culte, joyeuse et pop, qui se passe dans un lycée américain. Et La Goulue. Une pièce musicale entre rire et drame dans le Montmartre de la fin du 19e. Ouais. Donc en fait, on a trouvé ça tellement beau que ça nous a donné une idée. Ouais. Livret de Delphine Gransard et Alizée Lalande. Voilà, sur une partition de Chuck Berry et Patachou. La grise. Voilà. Donc, c'est l'histoire tragique d'une jeune lycéenne américaine qui est née à Pantin. Et en fait, elle tombe amoureuse du mec le plus craquant du lycée. Qui lui fout des coups. Et il y a plein de numéros dansés dans un style un peu rock musette. Ouais, enfin bon, à la fin, elle meurt de la syphilis. Donc, rendez-vous au Festival d'Avignon 2020. À 22h45, au Chien qui tracte. C'est là. Alors, les auditions sont ouvertes. Alors, peut-être que dans les nommés, il y aura peut-être... Si jamais, je vais passer l'audition. Hein. Voilà. Donc, alors, qui est nommé? Ah oui. Donc, Sophia Issaïdi dans Chicago. Fanny Fourquaise dans Chicago. Charlotte Hervieux dans We Will Rock You. Marie-Charlotte Leclerc dans La Grande Petite Mireille. Et M. Tatiana dans I Love Piaf. Je prends les mecs, moi. Et le trophée est attribué à Sophia Issaïdi dans Chicago. Sophia n'est pas là et donc elle m'a chargée de vous lire un petit mot.
Et je voulais dire que c'était un bonheur de travailler sur ce spectacle. Il y a des spectacles qui sont puissants, forts, inspirants. Et ce qu'a dit Eric et ce qu'on dit Dorit sur Bob Fosse, sur Anne Rankin, c'était un vrai plaisir de bosser avec elle. Et on sentait l'âme de Bob Fosse qui était avec nous pendant cette création. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec Fanny Fourquaise et Sophia Hosszaidi en même temps. Et c'est beau, sur un spectacle comme celui-là, de voir un relais qui se passe entre elles deux, parce que c'est pas évident de faire une création avec deux rôles principaux en même temps. Et c'est un sacré défi pour elle en tant qu'artiste. Et voilà, je vais vous lire le petit mot de Sophia, mais je voudrais dire un grand bravo à Fanny qui joue avec nous jusqu'au 30 juin. Et comme je suis là pour lire le mot de Sophia, je voudrais vraiment remercier tout le cast, tous les swings, toutes les doublures qui ont fait un travail dingue. Je suis émue. Vraiment, c'est un défi de faire ce spectacle tous les soirs à cette qualité-là. Et c'est une endurance de malade. C'est courir un 100 mètres en même temps et faire un marathon, donc c'est pas évident. Vraiment, bravo, chapeau à tout le cast. Donc maintenant, je me mets dans la peau de Sophia Hosszaidi. Je voudrais vous remercier très sincèrement, remercier toutes les personnes qui me permettent de recevoir ce joli prix ce soir. Je suis particulièrement émue parce que Chicago, c'est bien plus qu'un spectacle. C'était mon rêve d'artiste et ce rôle, un défi. À la mesure du personnage de Velma, que j'ai adoré incarner, une femme forte, audacieuse et libre, même en prison. Un spectacle, c'est un travail d'équipe, alors je voudrais remercier toutes les jolies âmes qui ont rendu ce spectacle possible et sans qui nous ne serions pas grand-chose. La production, la technique, le maquillage, la coiffure, le costume, merci pour votre confiance et votre dévotion. Ainsi que tous les artistes sur scène, la troupe et tous les rôles qui ont partagé ce spectacle avec moi tous les soirs et qui m'ont soutenue dans des moments faciles et des moments beaucoup plus difficiles. Un grand merci.